Il existe plusieurs profils de mère toxique. Manipulatrice, humiliante, indifférente, surprotectrice ou axée sur elle-même et dominée par son surmoi. En tant que psychanalyste, dans mon cas, j'ai bien évidemment su protéger mes enfants de cette déviance. Dès la maternelle, j'ai axé les dîners sur des thèmes tels que stade phallique ou phase de latence. À 7 ans, mon fils savait déjà qu'il est parfaitement normal pour un petit garçon de vouloir faire l'amour avec sa mère. Je les ai préparés à être adultes et autonomes. D'ailleurs, je ne les vois plus. J'ai plus d'enfants et j'ai coupé les ponts. Je ne comprends pas pourquoi.